machen noch eine kurze Diskussion. Fragen können Sie stellen in der Sprache Ihrer Präferenz. Ich versuche dann zu übersetzen. Ähm, in seinem Vortrag hat der äh, Hervé Joubert-Bonsin ja diese Frage, also das Motiv des Bettlers aufgeworfen und dann auch die starke These aufgestellt, dass Akatone kein Bettelmönch sei. Also im, nicht jemand, der Almosen sucht, sondern eine Figur, die ähm, eigentlich jemand, der, der ein Elender, der das Elend anderer ausnutzt, um selbst äh, irgendwie durchzukommen. Und ähm, in gewisser Weise etwas, was mir, was mir plötzlich aufgefallen ist beim Schauen dieses Films, ist dass mir klar geworden, ist wodurch die Kriminalserie, Mafia-Serie, Sopranos, sich unterscheidet von Scorsese's Gangsterfilmen oder oder Godfather, nämlich genau dadurch, dass die Mafiosi bei The Sopranos die ganze Zeit so in den Straßencafés oder vor, vor ihrem Lokal rumhängen wie hier. Und das sind eigentlich genau die Figuren, das sind Akathones. Kleingangster, die vom Elend anderer leben und sich so irgendwie durchhangeln und äh, die dann eben nicht diese Bettlerfiguren im religiösen Sinne sind, äh, sondern anders funktionieren. Und die eine Schlüsselszene in dem Film ist ja auch die Sache mit, dem, mit den Spaghetti, wo Agathon es schafft, seine Kumpel zu vertreiben, indem er sie bei der Ehe nimmt. c'est une très longue uh, formulation que, que j'ai proposée, mais uh, une chose que, qui m'a frappé en revoyant le film, c'est qu'il uh, qui y a, qui a toutes ces scènes, uh, disons dans le café, uh, sont des gens d'ailleurs qui pourraient peut-être trouver un travail, mais qui choisissent de ne pas le faire. Donc, des, des misérables qui vivent la misère des autres. Et ce qui m'a frappé, c'est que dans, dans les. Pas, tu, tu connais les sopranos les, voilà. ouais, tu, tu as tout vu. Et euh, là, du coup, j'ai compris ce qu'il y a. La, les épisodes. Voilà, les, la, la différence entre les films de Scorsese et le, le Godfather et les sopranos. C'est que les sopranos, ce sont des mondiaux. Euh, sur le modèle de, de Hakatone. Dans le sens où, euh, donc une, une scène standard dans Les Sopranos, c'est les, les gangsters plantés dans la rue devant leur petit café. Euh, ils ont exactement le même genre de conversation. Et il s'agit aussi des gens qui pourraient trouver un travail normal, mais qui, qui choisissent de ne pas le faire. Et donc des misérables qui vivent de la misère des autres. Et. Et là... Et puis, et puis il y a aussi ce moment, donc une scène. Le soprano des sopranos habite dans. Oui, c'est ça. ils il se bâtissent une, une vie bourgeoise, mm. mais le principe, disons, euh, le choix de vie est le même. Sauf que, comme entrepreneur, euh, ces gens-là, ils ne sont pas, sont pas très malins. Pendant que les sopranos, ils sont plus malins. Mais, mais disons le, 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 la situation d'ancrage, celle d'être planté devant le petit café, de, de choisir de rien faire. Et ça vrai. Et, et mmh. voilà. Et, et, et donc une des scènes qui me paraissait absolument important pour supporter aussi dans l'argument qu'il ne s'agit pas de, de, de mondiaux religieux, c'est la scène des spaghettis. Il y a une question d'honneur. Mmh. Il, il, il réussit à chasser euh, les compagnons. Mmh. En créant une situation où ils, où ils se sont insultés. qu'ils qu sont qui a faux moral. Voilà, sont adressés en tant que, que mendiants. Mm -hmm. Et ça, c'est insupportable. Donc, parce qu'ils ne le sont pas, dans leur propre perception. Donc il y a une côté d'honneur qui, qui assure qu'effectivement, euh, disons, on reste dans l'immanence et que ce n'est pas vraiment une conception religieuse de la mendiance. Oui, j'ai jamais pensé euh, aux films de mafia, mais effectivement, c'est très différent. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, euh, il y a euh, une conception de l'honneur, et le, la conception de l'honneur, on sait que c'est un des ressorts euh, des films de mafia, ouais. dans la mafia. Ici, c'est présent, mais euh, on n'a jamais le, le sentiment que ce sont des gangsters. Enfin, il me semble. Hein. Alors, ça tient probablement à, à la visée sociologique, ça tient peut-être à l'époque, je ne sais pas, mais euh, ça tient au fait aussi que le cinéma de Pasolini est toujours très différent de, du cinéma de genre, au fond. Ouais, très. Et donc, chaque film de Pasolini, même s'il se situe dans un moment connu, est toujours très singulier. Mmh. Donc, ici, on a le premier, et le premier, c'est déjà ça. On devrait avoir un film de gangster, et on n'a pas de film de gangster. On devrait penser à la mafia, à la, à la, au moins au, à la petite délinquance. Et il ne se passe rien de ce, que no, ce qui normalement est au cinéma la, la, la délinquance. Donc, effectivement, euh, et, il y a une recherche d'originalité, finalement. Ou peut-être pas une recherche, mais peut-être une, une, un, un état d'originalité. Mmh. Parce, ouais. que, parce que le, le cinéma de Pasolini passe toujours par d'autres euh, éléments de scénario que les, les éléments de scénario cinématographique classique. Mm. Ça, c'est une des, une des particularités de, ouais. du, de Pasolini, scénariste. Pour moi, ouais. c'est un des plus grands scénaristes qui existent. C'est quelqu'un qui a beau, travaillé énormément, mm. en plus de ses films, pour les scénarios des autres. Et je crois que c'est un très grand écrivain de scénario, ce qui mm. est très différent de sa qualité d'écrivain. Par ailleurs, c'est un écrivain important, mais euh, c'est un écrivain de scénario parmi les quelques écrivains euh, dans l'histoire du cinéma qui sont euh, extraordinaires. Enfin, mmh. Je pense que c'est une des qualités mmh. très grandes. Mmh. Ah, tiens, non, ça, juste ça. pour clarifier, je ne voulais mmh. pas dire que c'est un film de genre, ah, ouais, ouais. mais que euh, les auteurs de Soprano sont allés pêcher ce motif. Oui, ça je suis d'accord. Ah, hein. la, la scène du café, tu as raison C'est une allusion à l'Italie, c'est une façon de. c'est presque akaton, c'est vrai. Ah. C'est une façon de, de montrer des italo ah. Also, um, Hervé uh, sagt, uh, dass es natürlich uh, dieses Motiv der Ehre gibt, das da eine wichtige Rolle spielt und dass es schon eine ähnliche Logik ist und uh, dass uh, es durchaus zulässig ist zu sagen, dass die, die Produzenten von uh, Sopranos. Uh, dieses Motiv, diese Standardsituation da möglicherweise auch abgeholt haben. Ähm, aber er insistiert natürlich völlig zu Recht darauf, äh, dass ähm, Pasolini vieles ist, und die Filme von Pasolini vieles sind, aber nicht Genre-Kino. Nicht in dem Sinne, dass die äh, Drehbücher eben bestimmten Regeln folgen und Mechanismen äh, durchspielen, die man aus dem Genre-Kino kennt. Ähm, und äh, Hervé insistiert dann auch äh, und sagt, äh, Pasolini etwas was man anerkennen muss und würdigen muss ist dass pasolini nicht nur ein großer schriftsteller ist sondern ein absolut singulärer hochorigineller und äh, immer äh, erfindungskräftiger Drehbuchautor, auch jemand, der die, die Kunst des Drehbuchschreibens zu einer eigenständigen Kunst entwickelt hat wie wenige andere. Und ähm, in der Würdigung seines Werkes äh, kommt man nicht umhin, äh, darauf hinzuweisen, welche Meisterschaft äh, und welche Erfindungskraft beim Schreiben von Drehbüchern er entwickelt hat. Ja, es gibt eine Frage. Et parlons de l'histoire de la production du film. Et vous avez mentionné Fellini qui, à l'époque, se refuse de produire le film. Et je trouvais ce détail très étonnant parce que, si je me souviens correctement, les deux avaient déjà collaboré à plusieurs scénarios ensemble, donc ils se connaissaient et respectaient déjà. Et quand même, il y a cette décision, et je me suis posé la question est-ce qu'il y a eu une déclaration de Fellini qui explique la décision prise Parce que pendant le film, j'ai pensé peut-être qu'il n'a pas aimé trop l'histoire si cruelle de ce protagoniste, mais en même temps, j'ai l'impression que. Pasolini ne recherche pas le Realisme absolu dans ce film. Ganz kurz zur Produktionsgeschichte. Fellini war als Produzent äh, vorgesehen, sollte erst den Film produzieren. Die Frage ist, äh, welche Motive äh, Fellini bewogen haben, die Produktion nicht äh, zu übernehmen. Ähm, und. Äh, die Frage wird dann ergänzt durch die Beobachtung, dass es äh, ja durchaus nicht so ist, dass Pasolini in dem Film einen Realismus sucht, der im Widerspruch zu dem gestanden hätte, was äh, Fellini bekannt gemacht hat. Also, ja. Il y a Il y a deux réponses possibles. Il y a une réponse historique. Uh, qu'est-ce qui enfin, quand ont-ils travaillé ensemble et qu'est-ce qui s'est passé pour Acaton? Et puis il y a une réponse. Euh, sur euh, la relation objective qu'on peut trouver euh, entre le cinéma de Fellini et le cinéma de Pasolini, par exemple. Mais, et donc, d'un point de vue historique, euh, oui, on sait, on sait tout maintenant. Ils ont travaillé ensemble. Disons que Fellini était déjà un réalisateur célèbre et Pasolini a travaillé comme scénariste. Mais il a écrit beaucoup de scénarios et il a collaboré à beaucoup de scénarios. Un jour, j'ai cherché tous les scénarios pour un catalogue. Et euh, tra... j'ai trouvé que Pasolini avait travaillé entre 1956 et 1960 à plus de 30 scénarios. Donc il a travaillé beaucoup dans le cinéma euh, à cette époque-là, avant de devenir cinéaste. Et il a travaillé avec Fellini pour, d'abord pour les, di Cabiria, les Nuits de Cabiria. Euh, il a été responsable d'une séquence. Bon, il a... Voilà, il était le spécialiste de... de de, de la malavita, hein, de, des prostituées, des, des mauvais garçons, etc. De, de l'argot aussi. Et euh, donc il a travaillé pour euh, euh, la, les nuits de Cabiria, et ensuite il a travaillé une deuxième fois comme scénariste pour euh, Fellini pour La Dolce Vita. Et il existe dans les archives de Pasolini des, des séquences de La Dolce Vita qui n'ont jamais existé dans le film, mais qui sont écrites par Pasolini. Euh, C'est assez intéressant. Il y a aussi peut-être euh, pour un projet qui n'a pas existé de, de Fellini. Et puis ensuite, il y a cette, euh, ce petit moment de, de Fellini producteur avec un éditeur euh, Rizzoli. Et euh, ils ont fondé une société qui s'appelait la Federize, Federico Fellini et Rizzoli. Et la Federize a à, voilà, à imaginer, enfin, Fesini a imaginé de pouvoir produire Pasolini. Et avant de le de décider, il lui a donné une caméra, un opérateur, et ils ont, il lui a proposé de fabriquer quelques plans. Bon, ça, ce sont les, Il y a eu un repérage photographique. J'ai parlé tout à l'heure du repérage photographique, où il y a eu euh, beaucoup de photos de prise avec Tazio Secchiaroli. Et ensuite, il y a eu des Provini, des essais. En 1960. Donc les essais pour Fellini. Donc il y, a, il y a quelques plans qui ont été perdus et Fellini a regardé les, les rushes, le film, enfin le, les petits extraits et il a trouvé que c'était pas intéressant. Il a pensé que, il l'a dit, que, voilà, il s'est expliqué avec Pasolini en, en lui disant que c'était pas, c'était pas son univers et que c'était pas intéressant. Voilà. Alors bon, ils ne sont pas devenus, ils sont restés amis. Ils ont continué à se parler, mais, mais Fellini a refusé de, de produire après avoir vu quelques, quelques minutes réalisées par Pasolini avec une, une seule caméra, un seul opérateur. Voilà, des essais. voilà donc ça c'est l'épisode de la production ratée de Fellini. Et ensuite, Pas, Pasolini le raconte très très longuement et très précisément dans un, dans un article de journal qu'ensuite il a, il a publié dans le livre d'Acaton. Celui que j'ai traduit pour, ce sont des textes que j'ai traduit pour le livre qui sortira en français. Euh, donc, il explique le détail de Fellini, puis ensuite il rencontre un autre producteur. Voilà. Et après, on peut se demander si euh, le cinéma de Pasolini et le cinéma de Fellini sont très très opposés ou pas. Et ça, c'est difficile à dire. Mais je ne, je ne crois pas que la différence soit sur la cruauté, par exemple. Je pense qu'il y a autant de cruauté et autant d'intelligence euh, dans la relation à la cruauté chez Pasolini et chez Fellini, et qui les différencie beaucoup, à mon avis, de, qui les rend très supérieurs à, à beaucoup de, ciné, de, de films qui se réalisaient à la même époque, ou qui se sont réalisés à l'époque qu'on appelle en France la qualité française, ou, ou en Italie à la même époque, où il y a un jeu. Avec la cruauté, un jeu scénaristique et une violence psychologique ou physique qui est assez assez forte. Et le la cruauté chez Pasolini et chez Fellini, au contraire, est très 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 maîtrisée, je trouve. Alors ce n'est pas là qu'ils se différencient, mais ils se différencient sur des points tellement d'autres points que je crois qu'ils sont très différents. il gibt etwas quelque chose de très différent dans le de fellini und dans le de pasolini. Also man kann die, die frage nach dem scheitern dieser äh, kooperation historisch und äh, ästhetisch zu beantworten versuchen. die historische antwort ist mittlerweile bekannt. Teilweise auch von Pasolini selbst gegeben in äh, den Texten, die in dem Buch äh, erschienen sind, 1961, das Hervé äh, gerade übersetzt hat und das jetzt auf Französisch wieder erscheint zu so Akatone. Ähm, Pasolini hat äh, zehn Jahre lang als Drehbuchautor gearbeitet, nachdem er nach Rom gekommen war, in äh, verschiedenen Zusammenhängen äh, und hat eben mit Fellini auch zusammengearbeitet. Äh, Notti di Cabiria zum Beispiel war ihr zuständig für die. Ähm, Figuren der Halbwelt, für die Randständigen, für die Prostituierten, deren Argo, den Dialekt er und deren besondere Sprachmasken er am besten beherrschte von den Drehbuchautoren, die dabei waren. Und das ist eine laufende Zusammenarbeit. Und diese Idee von Fellini, Pasolinis Film zu produzieren, kommt zustande in dem Moment, in dem Fellini selbst zum Produzenten wird, sich zusammentut mit dem Verleger Rizzoli und eine Filmfirma gründet, die Namen trägt, die zusammen, also die Felis. Federis, ja, äh, genau. Federis, äh, ein Ko eine Kombination, ein Kofferwort bestehend aus äh, äh, Fellini und, und Rizzoli. Und ähm, was denn Fellini dann macht, ist, er drückt äh, Pasolini eine Kamera in die Hand und gibt dem Kameramann und sagt, geh mal los und dreh, pa dreh ein paar Meter Film. Äh, und ich schaue mir das dann an. Und äh, Pasolini macht das. Fellini schaut es sich an, ist enttäuscht und sagt, nee, das wird nichts. Und äh, ich, ich produziere den Film nicht was aber nicht äh, zu, zu einem Bruch führt. Äh, die bleiben befreundet und äh, es ist dann eben Alfredo Bini, der den, den Film übernimmt und, und produziert. Ähm, was die Frage nach der möglichen Inkompatibilität der filmischen Universen oder der künstlichen Universen angeht, äh, äh, ist es natürlich so, dass, die, äh, dass Fellini und Pasolini sich erheblich unterscheiden, aber Hervé sagt nicht im Hinblick auf die Frage der... Ähm, Darstellung und Handhabung der Gewalt und der Grausamkeit. Ähm, man kann sogar sagen, dass die Art und Weise, wie, sie, wie die beiden äh, umgehen mit Gewalt und Grausamkeit, äh, in der Tonalität durchaus vergleichbar ist und sich auch abhebt in einem positiven Sinne von, von den Durchschnittsproduktionen des, äh, der französischen Tradition, der Qualität der 50er Jahre und auch vom, vom italienischen Kino das Parallel dazu. C'est une mm -hmm. ja. Merci. Merci. Uh, oui, j'avais deux, deux questions. Uh, la première, j'étais assez surpris par le fait que les, les seules références historiques explicites dans le film, ce soit à Birkenwald, euh, les procès de Nuremberg, et puis bon, Lincoln dans un autre registre, uh, ce qui m'a assez étonné. Surtout que, enfin, dans les films ultérieurs, il y a une référence au fascisme permanente dans Mama Roma ou dans celui-ci, c'est quand même beaucoup moins transparent. Donc, je me demandais s'il y avait eu un propos de, de Pasolini sur la question et comment vous pouvez interpréter ça. Et la deuxième c'était plutôt sur le, le, le registre de langue dans le film parce que le, euh, je me rendais pas trop compte, il y a des passages qui étaient dans italien assez normalisé j'avais l'impression, et d'autres qui étaient plutôt dans, dans un truc où je ne comprenais plus rien. Et je me demandais du coup quel type de... Euh, enfin voilà, -ce que, enfin, quel travail sur l'argot et sur le dialecte romain il y avait. Et du coup, voilà, est-ce que c'était comme pour son travail poétique sur le dialecte du frioul ou est-ce que c'était un autre type de, de registre de langue qui était utilisé en fait mm -hmm. Je vais Die erste betrifft die wenigen expliziten historischen Referenzen, bezogen haben, die es gibt in dem Film. Äh, zwei, äh, die sich auf die Nazizeit beziehen, auf äh, das Konzentrationslager Buchenwald und äh, der, der, dieser äh, Hinweis auf den Nürnberger Prozess beim Spaghetti kochen. Und dann noch der Hinweis auf Lincoln, der die Sklaven befreit hat, wo dann eben gesagt wird, wir führen die Sklaverei gerade wieder ein. Da ist die Frage, was hat es damit für eine Bewandtnis? Weiß man etwas darüber, was sich Pasolini beim Drehbuchschreiben dabei gedacht hat? Was ist der Sinn dieser Referenzen? Und die zweite Frage betrifft die, die Sprache, die, die Handhabung der Sprache im Film. Da gibt es in der Tat unterschiedliche. Äh, Ausprägungen des Italienischen. Es gibt äh, Standarditalienisch dort, wo die eher bürgerlichen Menschen auftreten. Es gibt verschiedene Färbungen des äh, römischen Dialekts bei äh, Cattone und seinen Freunden. Es gibt natürlich den neapolitanischen Argo, der äh, nicht zu verstehen ist, wenn man äh, <laughs> da nicht aufgewachsen ist. Äh, den die Napolitaner teilweise nicht verstehen. Und da ist die Frage, was, was für eine Poetik des, der, der, des Dialektalen da am Werk ist. Wir wissen ja, dass Pasolini unter anderem sich dadurch hervorgetan hat, dass er Gedichte auf Friaulisch geschrieben hat, die, den Dialekt seiner Mutter. Voilà. Alors, pour la première question, il uh, y a deux types de réponses. Premièrement, uh, on peut dire que les. Les exclamations Buchenwald, Nuremberg, etc., euh, sont des exclamations purement euh, gratuites, au sens où euh, euh, c'est utilisé comme euh, des, des phrases lancées euh, dans, un, dans un débat, dans, comment dire, dans, dans une, une parole euh, spectaculaire. C'est-à-dire, c'est un matériau de, de l'invective. Hein, C'est-à-dire vraiment de, de la parole qui circule avec, euh, avec des insultes euh, qui, se, qui se répondent. Donc c'est un mode de un des matériaux euh, d'insultes, disons, euh, ou de, de références euh, violentes euh, qui entrent dans l'aspect dans spectaculaire de la parole populaire qu'on retrouve partout et qu'on retrouve dans mama roma de façon beaucoup plus évidente avec les stornelli c'est-à-dire euh, euh, bon, cet élément populaire qu'on retrouve dans le rap plus tard et qui est dans toutes les cultures populaires qui sont des réponses. c'est à dire quelqu'un lance un morceau de chanson et l'autre relance alors première, la première réponse c'est ça c'est que on lance, des, on lance des mots et les mots doivent rebondir sur l'autre et ça, c'est une forme vraiment très importante de, de l'oralité des films de Pasolini. Bien sûr, on peut faire une deuxième réponse à la première question. C'est que, bien entendu, si on parle sérieusement, enfin, ces textes sont écrits, donc le scénario est écrit. Donc, s'il y a une référence à l'Holocauste, euh, elle veut dire quelque chose chez Pasolini aussi. Alors, on peut chercher euh, ce qu'il en, qu en a fait ou ce qu'il en a dit ailleurs. Alors, dans ce cas-là, oui, on retrouve euh, dans toutes les pièces de théâtre de Pasolini une référence à l'Holocauste, par exemple. Toujours euh, dans Calderon, dans, dans toutes les pièces de théâtre, il y a cette allusion qui peut. Euh, Calderon, ce, la pièce la plus célèbre, se termine dans un camp de concentration. Euh, elle, il, il commence dans un tableau, dans, le, dans les Ménines de Velázquez. Donc, les personnages sont censés être les figures du tableau Las Meninas de Velázquez. Et puis dans un autre épisode, l'épisode final, ils sont censés être à l'intérieur d'une photographie, non plus un tableau, mais une photographie, qui est la photographie d'un camp de concentration. Bon, alors, ça revient plusieurs fois. Et puis ça revient dans euh, Porcherie. Porcherie joue sur euh, un, un jeu entre euh, des cannibales sur, sur un, un volcan qui coupe des têtes et qui mange des corps, et l'autre partie du film est en Allemagne. Et donc c'est un film qui se passe en Allemagne et qui parle de l'Allemagne, euh, de Fassbinder finalement, l'Allemagne d'après, euh, la guerre et, et la persistance, euh, le, le, retour, le retour, des, euh, des, des nazis euh, dans le pouvoir de la société d'après-guerre. Enfin, c'est de ça que parle Porcherie comme certains, euh, voilà, comme des films de Fassbinder ou d'autres ou d'autres uh, pièces ou, ou films. Donc il y a un intérêt bien sûr à l'histoire de, de, de la guerre de la Seconde Guerre mondiale chez Pasolini qu'il a vécu. Et vous savez que ça se termine avec Salo. Et Salo, euh, Pasolini est, est un fasciste, c'est-à-dire euh, il est né en 1922. Donc Pasolini a été un bébé, un enfant et un adolescent fasciste, Puisque il, obligatoirement, puisqu'il vivait dans un pays totalitaire, il a, été, il a eu un uniforme. Jeune, euh, enfant, adolescent, euh, étudiant. Et puis, il a acquis une conscience politique et une conscience antifasciste euh, en étant euh, ad adolescent, étudiant, jeune homme. Donc, euh, il, a, il a une relation avec, le, avec la, euh, le, le totalitarisme, disons. Et donc, il parle aussi de lui et de son pays. Et, et Salo, son dernier film, euh, est euh, évidemment aussi, euh, on peut penser que la, la fin de salaud, est aussi euh, la représentation d'un camp de concentration, hein, ou métaphoriquement. Donc euh, il y a bien une relation. Donc dès le premier film, on a ces, ces, ces mots qui sont lancés et qui peuvent aussi vouloir dire quelque chose, vouloir parler d'une euh, réalité de la guerre et, de la, et, de, et du fascisme et du nazisme. Euh, alors voilà, euh, et puis la deuxième question, c'était... Euh, euh, les langues, c'est assez facile. Hein. Euh, ce qu'on entend dans le film, c'est de l'italien normal. Et puis, assez régulièrement, on entend, à la f... on entend du romanesco, c'est-à-dire le dialecte romain, et mêlé, bien sûr, de mots populaires, argotiques, plus ou moins. Et ça, c'est un travail que Pasolini a réalisé en tant que romancier. Il a commencé le travail en 1955 en écrivant deux romans, dont le premier, la vita nécessite un, un, un glossaire pour les lecteurs italiens. Il y a à la fin du roman, il y a un glossaire de tous les mots pour qu'un italien puisse lire ce livre. Et c'est un livre très travaillé, euh, mais très travaillé euh, sur l'emploi le, du vocabulaire du vocabulaire euh, argotique. Ensuite, Pasuni a beaucoup travaillé sur la langue. Ce n'était pas un spécialiste. Hein. Mais enfin, il a quand même fait un travail qui, parfois, est, est mis en cause, euh, disons, scientifiquement. Ce n'est pas très sérieux aujourd'hui. Mais il a fait, euh, il a fait un, un livre sur la littérature dialectale dans toute l'Italie. Il s'intéresse à la variété des langues. Ce qui est le plus important, c'est qu'il s'intéresse à une langue non unifiée, à la, à la polyvalence des langues, à la, au pluralisme des langues. Donc. Euh, pasolini est délibérément dans l'histoire italienne, si on veut la séparer euh, simplement, il n'est pas du côté de pétrarque et de, du monolinguisme, mais il est du côté du plurilinguisme avec dante. Voilà. donc pasolini est, est, est un, un poète euh, dans, dans, pas dantesque, mais dans dentiste. <laughs> il représente, vous savez que dans uccella cecellini il représente euh, un congrès de dentistes. Ah ouais. ce sont les dentisti dentisti. Euh, voilà, et on entend aussi, bien sûr, dès qu'il y a les Napolitains, on entend le Napolitain, comme dans, euh, comme dans le Décaméron, qui est un film quasiment entièrement en napolitain. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est euh, que euh, ce n'est pas une... Là, ce n'est plus littéraire, du tout. C'est quelque chose qui est profondément euh, euh, de l'oreille. Donc euh, il y a... Enfin, les, les films de Pasolini se regarde aussi avec les oreilles. C'est-à-dire, euh, il y a une recherche très importante du son qui n'est pas une recherche technique du son, musical, oui, mais ce n'est pas très sophistiqué. Mais il y a une, euh, une sophistication immense dans la, dans, la, dans la cueillette des mots, comme dans sa poésie et comme dans son œuvre. Euh, Ich, ich fange an mit, mit, dem, mit dem letzten Satz, weil der nämlich auch die, uh, erste, die Beantwortung der ersten Frage zu Rahmen erlaubt. Uh, Pasolinis Filme muss man auch mit den Ohren anschauen und zwar nicht deswegen weil die, die tonspuren besonders raffiniert gebaut werden oder sowas sondern äh, weil, weil weil es eine eine äh, sprachliche dimension gibt ein interesse an der sprache eine arbeit mit der sprache eine arbeit mit den worten ähm, die äh, die es sehr sehr ernst zu nehmen gilt und eine dimension der oralität auch äh, die für die ästhetik der filme von entscheidender bedeutung ist die erste frage was es mit den äh, historischen referenzen auf sich hat, äh, Lässt sich auf zwei Weisen beantworten. Zum einen gibt es eben diese, eine, diese Dimension der Oralität, in der ähm, ähm diese Begriffe, von denen, die sie verwenden, gewissermaßen als Projektile in Dialogformen verwendet werden, in denen es darum geht, eine Art Provokation in den Raum zu stellen, sich gegenseitig was zuzurufen, sich zuzuwerfen und eine Reaktion zu provozieren und die anderen dazu zu bringen, dann mit etwas Gleichwertigem zu antworten. Und insofern sind dann die historischen Referenzen auch Provokationen, die eine Antwort hervorrufen sollen. Man hat das ja in der ersten Szene, Gesehen, wo der Blumenverkäufer kommt und die sich über die Straße hinweg gegenseitig anpöbeln äh, und dann sich so hochschaukeln. Und das endet dann damit, dass der Akatone von der Brücke springt. Und genau in diese Logik hinein gehören diese, gehören diese Begriffe, die eben Reizbegriffe sind und eine Reaktion auslösen sollen. Konkret ist es aber natürlich dann doch auch so, dass diese Begriffe und diese historischen Referenzen im Drehbuch drinstehen. Und von Pasolini so gemeint sind und man sie eben auch als historische Bezugnahmen ernst nehmen kann und ernst nehmen soll, ja muss. Ähm Pasolini hat er, wie gesagt, ist ein Faschist und zwar in dem einfachen biografischen Sinne, dass er tatsächlich im Jahr der Machtergreifung der Faschisten 1922 geboren wurde, was bedeutet hat, dass er unter diesem totalitären System groß geworden ist. Er hat auch in den Jugendorganisationen der Faschisten mitgemacht. Also, er war als Kind und als, als früher Adoleszenter von dem faschistischen System geprägt, hat dann aber als Adoleszenter natürlich ein anderes politisches Bewusstsein in Entwickelt und wenn ähm, Pasolini äh, auf die Geschichte des Holocaust und des Faschismus eingeht, was er regelmäßig macht, dann ist das immer auch eine äh, Auseinandersetzung mit seiner eigenen Biografie und, und seiner eigenen Geschichte und das ist einer der Schlüssel, den man da anlegen kann. Ähm, diese Art von Bezugnahmen finden sich äh, durch sein ganzes Werk hindurch, auch im theatralen Werk. Calderon ist das Beispiel, das Hervé zitiert, äh, wo ein Stück, das darauf hinausläuft, dass die Protagonisten am Ende eine Art äh, Tableau vivant äh, Bilden ähm, nach den Meninas äh, von Velázquez und das ist aber zugleich eine Fotografie aus einem Konzentrationslager, die da nachgestellt wird. Und dann äh, gibt es äh, den Faschismus als Thema und den Holocaust als Thema natürlich in Port Chile, den wir auch schon hier gesehen haben. Äh, diese Geschichte mit den äh, Menschenfressern auf dem Vulkan und die parallele Zählung, die im Nachkriegsdeutschland spielt, im Deutschland Fassbinders, äh, wo eben dass äh, Nachleben des Faschismus überaus präsent ist und ein zentrales Thema darstellt. Und äh, schließlich der äh, Höhepunkt und Abschluss dieser Auseinandersetzung ist natürlich Salo, wo man ja durchaus sagen kann, dass am Ende die Situation, in der sich die äh, 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 Leute da befinden, eine des Kon eines Konzentrationslagers ist. Was die äh, Frage nach der Sprache angeht. Ähm, gilt es festzuhalten, dass Pasolini nicht in der Petrarca-Tradition steht, also der Sprache der, der Tradition der einen Hochsprache, sondern in der Dante-Tradition, der Tradition der plurilingualen, des plurilingualen, vielschichtigen Italienisch. Ähm, Pasolini hat nicht nur Gedichte auf Realisch geschrieben, er hat ein ganzes Buch über dialektale Dichtung äh, in Italien geschrieben, er hat sich teilweise auch als Sprachwissenschaftler, Sprachsoziologe versucht nicht auf einem Niveau, das Sprachwissenschaftler heute noch akzeptieren würden, aber äh, doch mit äh, mit einer großen Werf die eben darauf hindeutet, dass ihm diese ähm Auseinandersetzung mit der Sprache sehr viel bedeutet hat. Und ähm, das Napolitanische hat eben immer auch diese musikalische Qualität, eben diese Dimension, die uns dazu zwingt, die Filme mit den Ohren anzuschauen, äh, wie wir das ja auch gesehen haben bei Decameroni, der fast vollständig auf Italienisch gedreht ist. Christine. Alors merci pour votre interpretation der Referenz an Dante. En fait, je pense qu'il ne soit pas tout à fait exclu que dans Dante lui-même, il y ait une position contradictoire à propos de la rédemption. Il n'est pas du tout un théologien orthodoxe, donc je, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est le parallèle que vous avez proposé entre la. Première nouvelle du Decameron. Et, et bon, vous aviez dit que, que le protagoniste de est, est aussi le protagoniste de cette première nouvelle. Et finalement, le, le sujet, le thème, c'est le même c'est la rédemption, une fausse rédemption, puisque Serge Ceparello, c'est un grand pêcheur, un hypocrite qui, à travers une fausse confession, euh, devient ou se, acquiert, acquiert la réputation d'un saint, mais les, les, les jeunes gens qui se racontent cette histoire, ils ont un long débat pour savoir s'il est vraiment, si peut-être il s'est répandu ou pas. Et alors, cette, cette histoire est très intéressante pour les, les, euh, ceux qui étudient beaucoup aujourd'hui parce qu'on y voit euh, une, une, une sorte de réflexion sur la littérature elle-même ou plutôt sur le décameron lui-même puisque euh, ça pourrait être comme un message au lecteur qui dit que même l'histoire d'un mauvais sujet peut causer une conversion du lecteur alors ce que j'aimerais bien vous demander est-ce que vous voyez la possibilité, bon, d'abord d'appliquer cette ambiguïté, euh, une double lecture du sujet, à catone, mauvais sujet, bon sujet, au film Et est-ce que, bon, peut-être je vais trop loin, mais est-ce que vous voyez aussi la possibilité d'appliquer de, 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 une réflexion dans le sens euh, message au lecteur c'est-à-dire, le lecteur qui est appelé à interpréter ou à se questionner est-ce qu'il y a une ré rédemption ou pas Et peut-être pour moi aussi, pardon, spectateur, je voulais dire spectateur. Oui. Euh, ganz kurz. Euh Christina Ott weist darauf hin, dass es bei Dante, also dass Dante natürlich kein dogmatischer Theologe ist, sondern dass es da auch eine, durchaus eine widersprüchliche Position und widersprüchlichen Stellungsbezug zur Frage der, der Erlösung gibt. Ähm, sie interessiert sich dann aber vor allem für, für Boccaccio und für die Lesart, die Hervé vorgeschlagen hat von Giaparello, der ein großer Sünder ist und äh, ähm, eigentlich ein. Äh, Mauvais Sujet, also ein, im doppelten Sinne äh, ein schlechter Kerl und ein ungeeignetes Sujet für die hohe Kunst. Ähm, aber dass Boccaccio äh, äh, ja, ihn in, äh, trotzdem zu einer wichtigen Figur macht, äh, ist natürlich eine Figur, wo, wo gezeigt werden soll, dass es so etwas wie eine Erlösung in der Kunst gibt oder eine Wendung in der Kunst und ähm, eine, äh, eine Anrufung des Zuschauers äh, genau durch diese Figur und äh, die Frage, Qui s'est anstellée, l'a fait darauf hinaus, ob man Agatone, genau auch mit dieser Doppelfigur des mauvais sujets qui devient le sujet d'une grande œuvre d'art, lisent. Oui, oui, je suis très, tout à fait d'accord. Je crois qu'on peut aller très loin dans votre sens. Euh, J'ai déjà écrit là-dessus et le rapport à. Alors, il y a plusieurs rapports à Boccaccio, Boccaccio des Camerons, qui sont intéressants. Et peut-être que ce qui, rés... enfin, ce qui <coughs> traverse tout ça, ce serait peut-être le mot de, de Pasolini, qui, qui est affabulation. Parce qu'au fond, il y a une problématique d'affabulation. Est-ce euh <coughs> qu'on croit avec la fable ou pas Et est-ce qu'on fabrique des choses Parce que pasolini s'est représenté lui-même à l'intérieur de il a, il a joué dans plusieurs de ses films mais il a joué dans le décameron et dans le décameron il joue alors il dit Dice polo di giotto mais en réalité moi je crois que même si pasolini le dit je crois qu'il représente giotto lui-même parce que si on lit bien la, la, la nouvelle de, de, du décameron elle représente elle met en scène giotto. Et Pasolini se met donc à la place de Giotto, qui lui-même devient un personnage du Décaméron de Boccaccio. Et il se représente, lui, c'est une des photos les plus célèbres de Pasolini. Hein, il, a, il, a, il a les cheveux comme ça, il a un chapeau. Et il y a un épisode qui, euh, qui, le, qui le fait arriver avec un ami sous la pluie, et ils sont obligés de se réfugier chez un paysan et de mettre des habits. Qui ne sont pas des habits de riches, mais qui sont des habits de pauvres. Donc, à nouveau des chiffons. Hein, et ils remettent des chiffons et ils arrivent. Alors que ce sont les. Donc, son ami se moque en disant euh, :« Tu es le plus grand. Tu es le plus grand peintre d'Europe, de, le plus grand peintre de notre siècle, et euh, tu arrives dans les haillons. Voilà. » et, et le Pasadena se représente comme ça. Voilà. Alors, c'est toujours la même histoire au fond. C'est toujours l'idée que peut-être qu'il y a quelque chose. Peut-être que la fabulation, l'artifice, fabrique quelque chose de vrai, mais on ne sait pas si, où est le vrai. Puisque là où je suis tout à fait d'accord, c'est que euh, l'épisode avec Franco Citti, l'acteur qui joue à Catone, joue enfin, Ciappelletto dans le film, euh, et la séquence où euh, Ciappelletto tombe malade puis meurt euh, est un pastiche d'à donc celle dont j'ai parlé, le moment où Akaton boit avec les Napolitains. D'abord, ce sont des Napolitains. Il boit avec eux et puis à la fin, il tombe, sa tête tombe, d'accord C'est la fin de la séquence. Il lui prend la tête comme ça et il la laisse retomber et elle tombe. La, la scène du décaméron est exactement la même. Il se trouve dans le Nord, donc on voit des tableaux, euh, des tableaux de Bruegel qui sont représentés, mais ce sont des Napolitains donc il va, il va rencontrer des napolitains. il chante une chanson. cette chanson, c'est la même chanson qu'on entend dans, un, dans une séquence d'Acatone. c'est Nenella la toye morte, etc. et c'est une chanson qu'avait repéré pasolini dans, dans, son, dans son, son livre sur euh, les poèmes populaires, les chansons populaires. et, et euh, donc il chante la même une chanson d'Acatone et puis, à la fin, sa tête tombe dans l'assiette. Voilà. Et ça, c'est le moment essentiel de la petite larme. Alors il pleure, il y a beaucoup de larmes par ailleurs, donc c'est de la suite de la larme. Et puis ensuite, il y a l'épisode du prêtre qui vient écouter en confession celui qui a été un assassin, un homosexuel, un, un traître, un, un homme vicieux, enfin qui a tous les péchés du monde et qui, qui lui ment. Il ment au prêtre juste avant de mourir. Donc c'est l'idée de la confession à la dernière minute et la conversion de la dernière minute avec la petite larme. Et, et là, le prêtre est naïf et va dire à toute la ville que c'est un saint. Et donc l'interrogation est très forte et c'est le même type d'oscillation que j'ai évoqué. C'est-à-dire que les deux napolitains essayent de comprendre et disent... Est -ce que, mais est-ce que finalement c'était quand même un saint. Voilà. Donc on a une on a effectivement une oscillation très grande et qui, qui rejoint la question comme vous l'avez dit qui rejoint la question de la fable. Faut-il croire à la fable Est-ce que c'est l'artifice qui dit la vérité ou pas Voilà. Et donc c'est encore plus loin puisque le, la scène de la scène reprend vraiment celle d'Acaton et elle reprend finalement euh, la question générale de la de la toute première euh, de la toute première citation de Dante de la petite larme hein, et de la conversion euh, voilà et et ça suffit voilà, hein. oui, ouais. <laughs> c'est <c> déjà <laughs> assez compliqué <laughs> euh... Hervé äh, greift den äh, Gedanken äh, sehr gerne auf und äh, macht es dann am Begriff der äh, Fabulation, der Fabulation fest, also des Erfindens, des, äh, der, der äh, Vorspiegelung, des Fingierens, des Herstellens von künstlichen ähm, äh, Vorstellungswelten, die die Frage aufwerfen, ob man ihnen glauben soll und glauben darf oder nicht. Also die, äh, die Frage der Wahrheit äh, aufstellen und eben äh, die Herausforderung bieten, dass äh, die Fabulation möglicherweise die eigentliche Wahrheit. Wahrheit sein könnte. Und äh, wenn man diese Figur ernst nimmt, dann kann man sie eben äh, eigentlich durch das ganze Werk äh, hindurch verfolgen. Und es ergibt sich insbesondere zunächst mal ähm, eine, ähm, eine, eine Ausformulierung äh, dieser Idee in. Ähm, De Camerone, äh, in der Szene, auf die RW im Vortrag auch Bezug genommen hat, wo der äh, Pasolini selbst als äh, die Figur des Malers auftritt. Er behauptet, er sei der Sohn von Giotto, aber er ist eigentlich Giotto selbst. Ähm, wobei schon diese diese äh, Selbstdeklaration natürlich eine Fabulation ist, eine, ein, ein Spiel mit Masken. Und ähm, entscheidend ist dann die Szene, wo sie eben vor einem Regenguss fliehen müssen und äh, sich in Lumpen Müssen und äh, dadurch die Situation entsteht, die sein, Mit, äh, sein Begleiter und Freund dann auch offen benennt, dass er sagt: Der berühmteste aller Maler läuft hier in Lumpen rum. Also auf die äh, Erscheinungen ist kein Verlass, oder vielleicht sind die Erscheinungen doch die eigentliche Wahrheit, und daraus entsteht genau diese Oszillation der, des Fingierens, der Fabulation. Ähm, die äh, Christine Otto auch in ihrer äh, Frage angesprochen hat. Und äh, von besonderem Interesse ist dabei äh, dann in Decamerone auch die Szene des Sterbens äh, von Ciappelletto, der von Franco Citti gespielt wird, dem Darsteller des Acatone, der eben äh, auf einer Reise nach Norden äh, äh, stirbt, in einer Umgebung, wo bruegel gemälde evoziert werden als äh, äh, künstlerische Referenz und ähm, der ein großer Gauner und Lügner und Verbrecher ist, eigentlich der sich alles hat zu Schulden kommen lassen, was einen normalerweise in die Hölle bringt und äh, der dann kurz vor seinem Tod eben auch äh, noch beichtet, äh, eine Beichte, die eine pure Lüge ist. Und er stirbt dann in einer Situation, die eine, ein direktes Zitat oder eine, eine Anverwandlung der Szene mit den Napolitanern aus Agatone ist. Also der Franco Gitti singt dasselbe Lied, das ein Lied ist, ein napolitanisches Volklied das äh, Pasolini gefunden, aufgeschrieben und veröffentlicht hat äh, im Zuge seiner Recherchen zur Dialektdichtung. Und ähm, äh, dieses Lied singt er eben und dann fällt er auch vornüber mit dem Kopf äh, äh, aufs Gesicht, so wie er äh, ins, in den Schoß des napolitanischen Zuhälters äh, fällt. Und das ist, das ist dann in äh, De in der Todesmoment. Er weint dabei auch wie im, äh, äh, in der Trinkszene in Agatone, das heißt, es gibt dieses äh, Motiv der kleinen Träne, ähm, die eben in Agatone schon aufgerufen wird durch das äh, Dante-Zitat am Anfang und ähm, die Szene in der Camerone äh, spielt dann mit dem Motiv der äh, kleinen Träne eben dadurch, dass der Priester der die Beichte abnimmt dem äh, Giaparello äh, glaubt und äh, allen Leuten sagt, das ist eigentlich ein Heiliger und wir müssen den jetzt als Heiligen verheeren, ähm, geht ihm auf die Schliche äh, und äh, das Ganze ist eigentlich dann auch wieder ein Artefakt, dem da Glauben geschenkt wird. Also diese Oszillation ähm, äh, und dieses Ausspielen der kleinen Träne, das geht eigentlich durchs ganze Werk durch bei Pasolini. Ich habe eine wichtige Sache vergessen. qui écoute la confession, est joué par un ami d'enfance de Pasolini, qui est Giuseppe Zigaïna, ah. qui est mort euh, il y a quelques mois, et qui était peintre, et qui, après la mort de Pasolini, a pensé qu'il avait des choses à dire, et il a écrit six ou sept livres hyper interprétatifs, euh, qui sont parfois intéressants, mais qui sont... Euh, qui est de l'interprétation à la limite de la schizophrénie, c'est-à-dire qui explique que Pasolini a été assassiné, mais tout était prévu depuis les années 40, il l'a écrit dans tous ses livres, l'heure, toutes les conditions. Donc c'est un, une, une interprétation délirante dans beaucoup de livres, et c'est très étonnant parce que Pasolini a toujours fait jouer des amis. Et il a toujours pris les gens pour ce qu'ils étaient. Et il avait donc prévu que c'était celui qui écouterait une parole et qui euh, croirait à ce qu'on lui dit et interpréterait une chose tellement fausse. C'est très étonnant. Un petit détail important, le priester. In De Camerone wird gespielt von einem Freund von Pasolini. Pasolini hat immer seine Freunde äh, in seinen Filmen eingesetzt. Und zwar hat er sie eingesetzt als das, äh, als, äh, wofür er sie gehalten hat. Und ähm, Giuseppe Zaini heißt er. Zigein, Entschuldigung, ein Maler, ein Künstler, ein Kindheits- und Jugendfreund von Pasolini, der nach Pasolinis Tod dann sechs oder sieben Bücher geschrieben hat. Äh, Interpretationen von Pasolinis Leben und Werk, die allerdings äh, immer sehr äh, hart an an die schizophrene Wahnvorstellung rangehen und eben mit irgendwelchen Verschwörungstheorien operieren und das Schicksal von Pasolini schon vorherbestimmt sehen, äh, in den 40er Jahren ähm, äh, nicht einfach zu lesende Texte. Aber die Ironie der Geschichte ist, dass Pasolini in Genau in der Rolle dessen, der dann auf diese Fabulation reinfällt und eine äh, gewaltige, in gewisser Weise schizoide Fantasie daraus entwickelt, äh, schon gecastet hat in dem Film und in, auf diese Bahn, wenn man so will, geschickt hat. Eine kurze letzte Frage und dann gehen wir nach Hause. Okay, in English this time, I'm sorry. Okay. Um, Gertrude Stein makes a distinction between the matter and the saint. The matter is somebody who does something, who's doing, who's acting. The saint is the person who doesn't act. So in that sense, the the matter we see here, the victims, the producers are the women and his brother. Okay, as the other opportunity of, of himself, of Akatone. <laughs> <laughs> uh, okay. Whereas, Whereas the, ma the materium and the mater, yeah. mater, non uh, uh, Whereas the saint uh, is the person who doesn't act. And Akatone is, of course, the great seducer. He's a charismatic, he's powerful, he's a speaker, He is a manipulator, and so on. So, in that sense, he's very much a Christ figure, you know, he's yeah. a prophet. Okay? He refuses the laws of the state. And so, in that sense, I was a bit surprised when you were talking about uh, Christological aspects that you were focusing so much on the rather human aspect of redemption and tears and so on. Christ. Donc, il se réfère à une distinction proposée par Gertrude Stein entre le martyr et le saint. Euh, donc, les martyrs, le martyr, c'est la victime qui est exploitée le saint, c'est le prophète qui, qui se moque des règles de, de l'État, du pouvoir de l'État qui se pose en, en prophète et qui assume le rôle de prophète. Et euh, si on applique cette distinction au film, euh, on pourrait dire que euh, les femmes et, et le frère de Hakatone sont les martyrs, et, et lui, par contre, euh, est le saint, euh, est le prophète. On pourrait aussi, euh, d'ailleurs, remarquer qu'il y a une scène où un de ses amis explicitement assume le rôle de prophète, ironiquement, mais quand même. Et donc la question que, que pose Monsieur, c'est euh, si tu parles des aspects christologiques, l'iconographie de Hacaton, pourquoi se limiter aux aspects humains, aux, à la question de la rédemption, de, de, de la petite larme, disons, euh, plutôt que sur l'aspect prophétique, euh, effectivement de, de l'identification au Christ et de l'imitation du Christ, disons. Oui. C'est très difficile parce que euh, moi je ne suis pas beaucoup là, je ne crois pas beaucoup à la à la, à la veine euh, chrétienne de Pasolini. Je, je pense qu'il n'est pas chrétien. Euh, je pense qu'il est, il, il est dans un il est dans une culture catholique, bien sûr, c'est très important, mais il n'est pas chrétien. Il s'intéresse euh, quand il s'intéresse à Pontormo. Antonio Muroso Fiorentino, c'est-à-dire les maniéristes, euh, il les décrit dans ses articles comme euh, le premier moment où la peinture, l'art, devient de l'esthétique, c'est-à-dire euh, perd la foi. C'est-à-dire qu'on a toujours les sujets sacrés, mais on n'a plus la foi. Euh, et on peut. Enfin, la, la, la peinture commence à être euh, dans un chemin sacré, mais sans la foi. Et alors, je, moi, j'ai tendance à penser Pasolini comme ça. Euh, voilà. Comme un maniériste, par exemple, comme un maniériste, c'est-à-dire celui qui est dans le chemin de la de, de la figuration christique, mais qui n'a plus le, qui n'est plus dans le dans le dans la foi, au fond. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est vraiment la distinction entre le sacré, la foi et la religion. Pasolini s'intéresse au sacré. Pour moi, Pasolini s'intéresse au sacré. Euh, pas, pas du tout à la foi, et donc pas au prophétisme, hein, puisque c'est du côté de la foi qu'il y a le, la question du prophète. et je, Alors, pour Akaton, pour moi, c'est très nouveau comme question. Je, je dois dire que je dois y réfléchir parce que je, ça ne m'est pas venu à l'idée. Je ne sais pas quoi faire de, de ça. Prophète, je vois pas du tout Akaton comme un prophète, mais... mais c'est une, une vraie proposition. Je, je me demande comment, comment y penser. Euh, moi, je ne le vois pas comme prophète. Donc, effectivement, je le vois très humain. Vous avez raison. C'est comme ça que je le vois. Et je pense que... Alors, c'est parce que je pense toujours que la Christologie est une fausse piste. C'est pour ça que euh, je commence par cette... Euh, parce qu'il y a bien quand même une, euh, objectivement, une... Euh, comment dire une fausse piste donnée par Pasolini, c'est-à-dire la piste de la conversion, la petite larme, et puis il n'y a pas la petite larme. Enfin, moi, je reste très matérialiste et très concret, et j'ai l'impression qu'il y a une, une façon de dire vous m'attendez comme chrétien, vous attendez une fin chrétienne, je ne donnerai pas la fin chrétienne. Voilà. Alors, je pense que ce serait valable pour l'ensemble de sa relation. Euh, la Christologie et que ça se passe ailleurs. Et ça l'intéresse. Voilà, ce qui l'intéresse, c'est avant et après avant. Mm. Uh, On peut déjà dire ça okay. Also, die uh, interessante Frage um, uh, impliziert, dass Pasolini ein religiöser Christ war, et Hervé uh, sagt, dass uh, das ist er nicht. Uh. Er schlägt vor, mit der Unterscheidung von heiligem Glauben und Religion ranzugehen. Und für die Religion gilt, was Paul Morand mal gesagt hat: n'est pas à qui veut. Also, si on est dans une, une culture chrétienne, mm -hmm. bon, on est chrétien. Sans ou avec la foi. Und das ist die Situation, von der er ausgeht. Das Heilige interessiert ihn, den Glauben hat er verloren. Und seine Situation ist die der manieristischen Künstler, die einen Erbschatz an religiösen Motiven haben, die sie sehr genau verstehen und, und bearbeiten können. Aber sie haben eigentlich den Glauben verloren und ähm, äh, arbeiten unter Bedingungen weiter, in denen dieser Motivschatz auch anderen Bedeutungen zugeführt wird. Und bei Pasolini ist es durchaus und seine Lesart äh, verhält sich zu dieser, um, zu dieser Annahme solidarisch, äh, am Ende eine materialistische ähm, Perspektive, die da eingenommen wird. Ähm, über, also man kann über den Prophetismus nachdenken, aber ähm, äh, RWS Lesart äh, besagt eben, dass die, die Petite Laume eigentlich eine, eine falsche Fährte ist. Ähm, und dass er, dass Pasolini uns Christen, ob wir nun Christen sind oder nicht, so wie... «Sie sind wir mm -hmm. sind also <lacht> 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 ähm, <lacht> so, so wie wir Christen sind, holt er uns eben da ab, wo wir herkommen und, und äh, verwickelt uns in ein Spiel des Nachdenkens über äh, den Glauben und die Wahrheit und ähm, äh, die Erlösung und die Buße ähm, und äh, geht dann aber ganz woanders hin. Und in diesem Sinne ist natürlich katone ja, tatsächlich eine ganz und gar menschliche Figur. Also, bon, il y a une suite, hein, bien sûr. Euh, la première chose, c'est que normalement, on devrait penser aux martyrs. Et c'est pour ça que votre remarque est intéressante. On devrait penser au martyrs, puisque à la fin, Akaton meurt comme le Christ. Enfin, bon. et, et les quatre premiers films de Pasolini se finissent par euh, une fin christique. C'est Akaton, ensuite, c'est le fils de Mamaroma qui a les bras écartés, qui meurt à la fin du film. Ensuite, il y a, euh, on se rapproche du Christ avec euh, Stracci qui est cloué sur la croix, qui joue dans un film sur la Passion du Christ et qui meurt d'indigestion de ricotta. Et enfin, le quatrième film, c'est l'Évangile selon saint Matthieu, et on finit bien par euh, euh, la crucifixion. Donc, il y a bien les quatre premiers films de Pasolini vont vers, euh, moi j'ai appelé ça la Passion selon saint Matthieu, puisqu'on l'entend depuis le premier le premier instant du premier film, et c'est une passion, euh, voilà. euh, la, ou la vocation de Saint Matthieu. Moi, j'appelle ça la vocation de Saint Matthieu, comme le tableau du Caravage, hein, puisque les quatre films semblent être appelés par euh, Saint Matthieu, euh, qui est le, le quatrième film. Alors, voilà, ça, c'est une relation au Christ, c'est certain. Il y a un jeu avec la Christologie. Mais ce serait du côté du martyr. Donc, votre question sur le saint... Euh, et le prophète, je ne sais pas si un saint est seulement un prophète. Parce que si je pense saint comme Pasolini, pas, Pasolini s'intéresse beaucoup à la sainteté. C'est une, une chose qui, qui revient assez régulièrement. Et effectivement, il y a un scénario que j'aime beaucoup, qui n'est pas vraiment un scénario, qui est un poème, un long poème, mais aussi un scénario, qui s'appelle Bestemmia. Euh, ça veut dire blasphème. Euh, et, et pour le décrire, Pasolini dit c'est l'histoire d'un acathone de l'an 1000. c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un c'est un peu comme glover rocha c'est l'histoire d'un d'un saint d'un saint homme c'est-à-dire d'un fou euh, d'un misérable et d'un fou euh, qui fait des choses insensées donc qui fait des miracles qui croit aux miracles et ou les autres croient au, au miracle et qui entraîne une troupe voilà qui entraîne une troupe, une troupe de miséreux. Donc, ça, c'est l'histoire de Bestemia. Euh, donc, c'est une sorte de saint hérétique. Mmh. Et alors, peut-être qu'on peut penser. L'idée qu'ils disent que c'est un hachaton de l'an 1000 rattache Acaton à cette figure de, de saint, c'est-à-dire de. Mais, mais pas du côté du martyr. Là, vous avez raison, c'est du côté de la prophétie ou du, la, ou du messianisme, hein, peut-être. Euh, mais de là à dire que Acaton est un messie. J'ai beaucoup de, de difficultés. Oui. Mm. Also die... Äh, es, äh, das, das, es gibt ein äh, ausgeprägtes Spiel mit äh, christologischen Motiven bei, bei ähm, Pasolini. Das steht außer Frage. Die äh, Schlussszenen der ersten vier Filme haben eine christologische Dimension. Äh, man kann das auch... Also Erwin schlägt vor, tatsächlich von der äh, Passionsgeschichte nach dem, nach dem Matthäusevangelium zu sprechen, was ja schon aufgerufen wird durch... Äh, durch äh, Die Verwendung der, äh, der, der Matthäus-Passion von Bach in äh, Agatone. Es ist die Vokation, also die, die ähm, Be äh, Berufung von ähm, äh, Matthäus bei Caravaggio, die als Motiv eine, eine Rolle spielt. Ähm, aber es ist eben ein Spiel mit der Christologie und weniger der Versuch, den Agatone zum Beispiel als Christus oder Heiligenfigur in einem emphatischen Sinne hinzustellen. Hervé hat dann noch hingewiesen auf ein langes Gedicht, das zugleich auch eine Art Szenario-Charakter hat, ein Drehbuch, fast sich liest wie ein Drehbuch La Bestemia, die von einer Heiligenfigur spielt, ein Anti-Agatone oder ein Nicht-Agatone, der, der, des Jahres 1000, ähm, also eine mittelalterliche Heiligenfigur, in der diese christologische Dimension in gewisser Weise affirmativ rausgearbeitet wird, aber gerade dieser Kontrast macht noch einmal deutlich, dass, dass äh, jedenfalls in der Lesart die Elbe vorschlägt, ähm, die äh, der, der Agathone hier auf der Seite des Martyriums also auf der Seite der Prophezie, Prophezie, Pro, Prophetie äh, anzusiedeln wäre in diesem Schema und jetzt übernimmt Urs. Ja, also ähm, wir sind wahnsinnig lange heute gewesen, ganz toll. Es gab auch noch weitere Meldungen, aber da wird es bestimmt die Möglichkeit geben, dann gleich draußen weiter zu diskutieren. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, Hervé joubert Laurentin. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Und an Vincent Hediger für die Übersetzungen auch noch zu später Stunde. Sie kommen gut nach Hause, wünsche ich Ihnen, und weise Sie natürlich gerne darauf hin, dass wir in zwei Wochen weitermachen. Ursula Frohne wird hier sein und über Larabia sprechen. Bis denn. Tschüss.